Coucou les grands, on va s'entraîner à écrire les lettres cursives rondes. Allez. Alors, les lettres rondes, il y a sept lettres-là. Comment elles s'appellent? C'est le C. C'est une demi-lune. On va écrire aussi cette lettre-là. Comment elle s'appelle? C'est le A. Il y a aussi sept lettres. Comment elle s'appelle? D. Une autre. Et une dernière lettre ronde. Le Q. On redit les noms des lettres. Avec moi, C, A, D, O, Q. Je les efface et on va les faire en même temps, ensemble. Allez, on commence le C. Le C, c'est facile. Demi-lune. Ensuite, c'était quelle lettre? C'était le A. On regarde bien. Demi-lune. Bâton qui monte. J'essaie de vous montrer. Bâton qui descend dessus, pont à l'envers. Ensuite, c'était le D. Demi-lune. Bâton qui monte très haut. Bâton qui descend dessus, pont à l'envers. Le O. On fait d'abord la demi-lune, hein, pas le petit vent. Demi-lune. Petit ventre. Boucle dedans. Et le Q. Demi-lune. Bâton qui monte, bâton qui descend dessus, pont à l'envers. C, A, D, O, Q. On s'entraîne à les écrire. Maintenant, on va écrire les lettres cursives à pointe. Ça veut dire que ça, il y a des petits bâtons qui piquent. Donc on a bien retenu, ça c'est les lettres rondes. C, A, D, O, Q. Maintenant, nous allons faire les lettres à pointe. Alors, dans les lettres à pointe, il y a sept lettres-là. Comment elles s'appellent? C'est le I. Il y a aussi sept lettres qui la connaît. Si on ne s'en rappelle pas, on regarde la vidéo où c'est la reconnaissance des lettres cursives, hein, la vidéo. C'est le U. Une autre lettre. Le T. Et la dernière lettre à pointe. Comment elle s'appelle? Le P. Elles sont à pointe parce que regardez, il y a plein de bâtons qui piquent en l'air. Alors, ça ne pique pas comme une dent de loup, mais quand même, c'est comme une petite aiguille. À pointe, comme la pointe d'une aiguille. I, U, T, P. On va recommencer à les écrire en même temps que moi, on les écrit. Allez, c'est parti, on écrit le I. Bâton qui monte, bâton qui descend dessus, pont à l'envers, point. On va écrire le U. Bâton qui monte, bâton qui descend dessus, pont à l'envers, bâton qui monte, bâton qui descend dessus, pont à l'envers. On va écrire
Le thé. Grand bâton. Bâton qui descend dessus, pont à l'envers. Très. Et le P. Montagne. Bâton qui descend. Je remets mon crayon sur la pointe et je fais un pont à l'endroit. Pont à l'endroit, pont à l'envers. I, U, T, P. Ça, ce sont les lettres à pointe. Bisous, bisous. On s'entraîne.